Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de d'améliorer notre enclos des lions. Alors je vais pas m'amuser à mettre tous les petits cailloux hein, partout là que j'avais dit que je ferais. Mais on va essayer de leur faire un enclos qui soit correct. Donc l'alimentation, il leur faut une alimentation de meilleure qualité. Donc ce qu'on va faire. Ah oui, ils ont pas d'alimentation du tout en fait. Ils ont rien pour se nourrir. On est d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la zoopédie déjà. Et on va aller prendre dans les états des recherches, voilà, les optimisations. Alors, optimisation alimentaire, une citrouille sanglante gelée. Alors déjà, on va mettre ça. Hop, service. Non, c'est dans habitat. Optimisation. Ah bah elle est là, citrouille sanglante gelée. Hop, on va la mettre, disons, par ici. Comme ça, les gens vont y voir. Hop, on va également mettre un carton. J'ai vu qu'il y avait ça par là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la zoopédie? Hop, voilà. Zoopédie. T'as des recherches. Un griffoir. Un bloc grattoir, effectivement, ça c'est des trucs qu'ils aiment bien les lions. Ok, ça c'est pas grave. Alors j'ai dit un griffoir et un bloc grattoir. Un griffoir. Par ici. Hop, un bloc grattoir. On va essayer de le mettre par là, le bloc grattoir. Ça pourrait être marrant qu'ils viennent ça les force à monter là-haut. Clac. Voilà. Ok, donc là ils doivent commencer à être un peu plus contents. Ok. Zoopédie. Paf. Un arroseur automatique. Je vais peut-être pas tout mettre. Là c'est ça que j'aimerais voir déjà. Les autres trucs alimentaires parce que. Je sais pas trop ce qu'il faut leur mettre. Ouais, bon, le stress dans cet enclos là-bas, on a l'habitude. Oh, le lion. Ah oui, et le sol, ça leur convient comme ça? Apparemment. Terrain. Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, plus d'herbes courtes et moins d'herbes longues. Et de la roche. Ah ouais, de la roche, ça peut être pas mal, on va en mettre un peu partout. Alors, terrain, paf, paf, paf. De la roche. Oula. Hop. On va mettre de la roche un peu comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Un peu plus de roche encore. Hein. On va mettre pas mal de la roche. Je m'y attendais ça qu'ils aiment la roche, les lions. Oh, ils sautent comme ça, trop stylé. Ah oui, parce que ça doit être un peu trop pentu là. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. C'est pas grave, c'est bien, ça me plaît. Hop. On va mettre là de la roche. Dans la grotte. Hop. Voilà. Que ça fasse bien rocheux. Et toujours pas assez de roche, on verra. Alors, recherche vétérinaire terminée. Donc pour les lions, du coup. Peut-être qu'on a débloqué. Qu'est-ce qu'on a débloqué là, du coup? Optimisation ludique alimentaire. Ah, on va pouvoir voir une autre optimisation alimentaire. Bon, ils sont très très contents là. Optimisation alimentaire, donc hop, on vient là. Une balle en tuyau, une piñata. Oh, excellent! Habitat, on a une piñata, je savais pas. Oh, oui, une piñata. Ah, mais on l'a débloqué justement, on l'avait pas du tout avant. On va la mettre par là, la piñata. Ils vont bouffer la piñata. C'est marrant ces trucs engelés là. Ok, alors on disait donc. On n'y voit rien la nuit hein, quand même. Alors le terrain, on va enlever cette herbe longue, herbe courte. Voilà, partout là, hop, 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 hop. On enlève toute cette herbe longue là. Tchouk, 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 tchouk.
Hop. Ah, il y en a encore trop. Hein. Voilà, bon, là on est pas mal. Et il nous faut un peu plus de roche. On a mis du sable ici, c'est pas mal, ça suffit. Hop, voilà. Est-ce que ça suffirait pas de la roche comme ça en mettant juste quelques cailloux par endroit? Attention de pas mettre trop de roche, bon, il y en a assez. Hop. Voilà. Recherche mécanique terminée, yes. Locaux du personnel, eh oui. Eh oui. Là, c'est tout bon. Ok, donc là, on est bien. En espace, on est très bien. En terrain, on est parfait. En environnement, on a. Bon, ils peuvent vivre sans plantes, mais bon, on va mettre des plantes quand même, c'est mieux. Donc, prairie d'Afrique. Ok. Alors, plantes, on a dit. Continent Afrique. Oh, il doit y avoir un hippotrague qui est devenu adulte. On va mettre pause. J'ai dit prairie, hein, c'est ça, prairie. Prairie. Ah oui, c'est ces arbres-là. Non, ça le fait pas du tout. Ça non plus. C'est plutôt des arbres comme ça. Ça fait très arbre d'Afrique. Hop. Enfin, de la savane en tout cas. Hop. Voilà. Peut-être même s'amuser un peu. Les baobabs, c'est beaucoup trop gros. Ça. Ouais, non, ça le fait pas, je trouve. Des fleurs, non. Des orties. Ah bon? En Afrique. Non. Un saule pleureur non plus, hein. Non, non, non. Des roseaux. Non. Ça ne le fait pas. Je vais mettre des acacias. On va en mettre un genre là, là. C'est pas mal, un peu genre sur les cailloux, là. Hop, genre comme ça, vous voyez. Genre qui a poussé sur les cailloux. Clac, stylé. Ok, et on va en mettre un autre. Oh, on a déjà fait 10% du truc. On va en mettre un. Oula. On va mettre un par là. Est-ce que ça fait bizarre ça? Oui, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. L'autre, on va le mettre. Ça va faire beaucoup, non? On va le mettre ici, l'autre. Ça me plaît pas bien ça. On va le mettre par là et puis c'est tout. Comme ça. Voilà. Et puis pour faire stylé, on va aller chercher des petites pierres. Hop. Hop. Des petites pierres de la savane. Des petites, j'ai dit. Voilà. Clac. Voilà, genre ça a poussé sur la pierre. Vous voyez? C'est très stylé comme ça. Voilà. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Ok. Donc là, on est bon. Optimisation, là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils se reproduisent. Alors, ici, on a dit. On va aller voir les animaux qu'on a.
Oh là là, les escargots, mais c'est dingue ça. Hein. Chaque fois que je les laisse un peu, que je laisse un peu faire, on les arrête plus. Hein. On les arrête plus. Alors on va virer les vieux, genre lui, lui et ceux qui ont pas de médaille. Toc toc. Et on va en garder. Ah, j'ai plus que des mâles. On va garder elle et on va garder. Toc toc, comme ça, 3. 3 c'est bien. Bon, allez, 2. 2. Hop, envoyé au centre d'échange. Hop, je parie qu'on a la même chose chez les vipères. Alors, les hippotragues. Paf 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 paf. Et voilà. Donc, toi. Qu'est-ce que j'ai sectionné? Non, j'ai rien de sectionné. Hippotragues. Voilà, relâche la nature. Boum. Très bien. Ok. Les lions, là on est bien aussi au niveau des. On a un petit peu beaucoup de springbok, non? Oh non, ça va. Les vipères, ça va. Ok. Hop, me revoilà, petit plantage d'OBS, désolé pour la coupure. Ok, donc on disait, l'hippotrague, on l'a vendu. Les vipères, j'ai regardé les vipères. Hein. Ouais, c'est bon, on en a deux, ça va. Ok. Oh là là, on a un vieux, il va bientôt mourir. Les autres, ça va. Ouais, on est bien. Oh! On a fait un bébé doré. Cool. Une femelle. Yes. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Voilà, oh là, il y a vraiment beaucoup trop de monde ici. Hein. Blu. C'est pas très Covid ça. Heureusement qu'il n'y a pas le Covid dans le jeu. Ok. En fait, c'est tellement stylé d'avoir fait un pont ici par-dessus l'habitat que, et ben que tout le monde y vient. Ok. En tout cas, ils aiment bien aussi là, les lions et les girafes de ce côté-ci. Ça passe bien. Quand je vais ouvrir ça, là, ça va envoyer aussi. Ok, donc, là, il faudra que je décore un peu cette zone-là, là. Après, même si c'est que pour les employés. Hein, au moins cacher que ici les visiteurs ne puissent pas voir cette espèce de rampe en béton là-bas. L'escalier là, dégueulasse. Ok. Alors j'avais dit, hop, le centre des vivariums, l'échange. Ah, ils sont pas encore. Faut attendre qu'ils y arrivent. Ok, donc on va attendre qu'ils y arrivent. Voilà, on va peut-être mettre ici dans notre vivarium un animal. Hein, ce serait pas mal. Donc on va faire ça maintenant. J'avais dit un autre animal d'Afrique, c'est le. Je crois que c'est un crapaud, non? Grenouille Goliath, c'est pas ça? C'est pas celle-là, là? Zopédie. Afrique, voilà. Aquatique et tropical. Très bien. Eh bien, allons acheter des grenouilles Goliath. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. C'est forcément des animaux comme ça. Bon, eh bien, prenons-en deux. Disons celle-ci. Hop, adopter. Et celui-là. Adopter. Voilà. Ce sera bien. Recherche vétérinaire terminée. Ok, donc là, le lion d'Afrique. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? La dernière optimisation alimentaire. On pourra voir ça. Ce qu'il faudrait nourrir. Oh là, alors bien-être faible, animal stressé. Bien-être faible. Oh! Tiens, pourquoi?
Qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Ok, il se casse. Il est allé dans l'eau. Ok. Vas-y. Tranquille, il se casse. Oh là là. Elle est où la lionne? Elle est où la lionne? C'est pas cassé aussi. Allez là, elle dort. Ok, j'avais pas vu. Pourquoi bien-être faible? Groupe social. Ah bah oui, mais bon. Excuse-moi, mais. Ah, il va revenir ton mal, t'inquiète pas. Je sais pas ce qu'il foutait là-bas, je sais pas pourquoi il s'est barré cet abruti. Il avait peut-être faim, en plus il voulait de la bouffe. Alors attendez. Ah oui, c'est ça que j'ai pas fait. Alors. On a dit habitat. Non. Du tout. Je clique sur le lion. Que j'aille dans Zoopédie. Et que je regarde là. Optimisation alimentaire. Bah, je l'ai pas débloqué. Mais. Il est où mon lion? Bah alors? Bah alors, Kondo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle t'attire pas la petite piñata là? Tiens. Réinitialiser optimisation. C'est quoi ça? Ah. Un animal dangereux s'est échappé. Oh, mais bon sang, elle aussi? Mais ils peuvent nager les lions alors? Merde. Alors ça c'est pas cool. Alors ça, c'était pas prévu. Du tout. C'était pas prévu du tout. Mais quelle idée ils ont? Pourquoi ils se barrent? Parce qu'ils sont pas bien. Non, il chie dans sa maison lui. Oh. Dégueulasse. Bon. Fantastique. Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont pas contents? Possible. Pourtant, si je clique là et que je fais ça. C'était où? Habitat. C'était ça? Ah, là c'est pas bon. Ok. Point d'évasion en sautant. Ah. Ha ha ha. Ok. Donc. On va mettre pause, on va reprendre ça. Alors. Comment ça se fait? Point d'évasion en sautant. Pourquoi? C'est quand même large là, bon sang. Bon bah attendez, ce qu'on va faire. On va couper ça. Alors ce qui est pénible avec ça, c'est qu'on est obligé d'enlever la flotte et de se retaper ça. Voilà. Bon, on creuse partout, hein. Clac, clac. On va en enlever même un peu de ce côté, je pense, là, là. Ouais, ici aussi. On va recreuser un peu là. Voilà. Là, peut-être ça aussi. Là, ici. Hop. Voilà. Ok, on remet l'eau. Pouic. Alors là, si vous arrivez à sauter, hein, franchement. Ok, alors je reprends le lion. Je remets ça. Et là, je crois qu'il faut remettre lecture. Ça force le recalcul. Oh! C'est quoi ça?
point d'élévation en marchant. Comment ça en marchant? Comment ça il peut marcher partout là? Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, stop. Faut mettre moins d'eau. Je pense. Terrain. Clac. On va mettre l'eau par là. Voilà. Ok. Combat dangereux. Encore? Ah. Service inaccessible. Quel service? Comment ça? Ah oui, en fait, faut qu'ils lancent de la nourriture, donc là ils peuvent pas. Donc ça sert à rien ce truc en fait. Ça me sert à rien. Ou alors, faudra que je le fasse différemment. Peut-être que je peux le faire différemment, faire genre une espèce d'avancée avec un. On va réfléchir à ça. On va réfléchir à ça. Parce qu'il faut les faire venir par là, les gens, un peu. Bon, alors déjà, première chose, c'est remettre. Remettre. Ah bah attendez, pour faire ce que je veux faire, là, une avancée. Va falloir que je remette de la terre partout, là. Que je mette des grands rochers de chaque côté. Et un truc en vert. C'est faisable ou pas? Est-ce que ce serait faisable? Ça, je peux pas le mettre genre là. Non. On va faire ça autrement. Là, on va corriger ça. On va corriger ça. Mais déjà, première chose ici à voir, c'est est-ce que c'est bon là? Ok. Ok, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Parfait. Parfaitement parfait. Et du coup, j'ai rien débloqué de plus dans la Zoopédie alors, c'est ça. Toujours pareil. Ah, c'est des trucs là que j'ai. Un marqueur de traces sanglantes. Attention. On va peut-être mettre ce truc là juste pour rigoler. Habitat. Marqueur de traces sanglantes. Point, 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 point. Par ici, clac, hop, ok, niveau température, ils sont bien les lions là? Ou pas? On sait pas, ça a l'air d'aller. Ouais, j'espère qu'ils vont me faire des petits, sinon il va falloir en racheter. Moi j'ai un peu plus de sous là déjà, on va peut-être pouvoir se racheter une femelle, remarque. Ce serait pas mal de racheter une femelle lion. Une femelle pas trop chère, genre elle est pas mal, elle aussi, albinos, c'est pas très joli albinos, au final. Elle est jeune, 794, c'est pas mal. Ah, pour un peu plus, elle a une médaille. Elle a que 7000 hein, d'attrait. Pourtant, elle a une médaille. Elle a des meilleurs gènes, mais elle a moins d'attrait. Qu'est-ce que je préfère? Des meilleurs gènes ou un attrait. Gène de fertilité. Ah ouais, d'accord. 0%. Donc, elle, on oublie quoi. On va prendre elle, hein, tant pis, 803. Allez, clac. Allez. Allez! Pourquoi ça fait ça? Voilà. Transfert. Pouf. Voilà. Ok.
Donc, dans les zones, là, je vais vérifier un truc. Zone de travail. Zone d'entrée, ça va de centre. Ok, on est bon. On est bon. C'est ce que je voulais vérifier, mais on est bon. Du coup, on va essayer de faire une espèce de d'avancée là. Donc, on va mettre tout en pause. Là, on va virer l'eau. Pof. On va être obligé de virer ça aussi. Là, l'enclos, je peux l'attraper là, ouais. Donc, d'ici, on va au moins virer genre tout ça jusque là. On va le faire par là, hein. Ça ramènera du monde par ici. Là, hop, tout ça, on va faire supprimer. Ok. Là, on va prendre l'outil terrain. On va mettre voilà ça pour mettre à plat comme ça. Voilà. Clac. Voili voilou. C'est pas mal ça. Ça fait une belle petite zone là pour venir présenter du nourrissage. Ok, là on attrape l'enclos. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Non, je veux pas la route. Je voulais l'enclos. Et où l'enclos? Ça c'est le désavantage de mettre des enclos invisibles. Hop. Pour les attraper, c'est le bazar. Et alors ici. Ici, celui-là va falloir le déplacer déjà. À peu près comme ça. Et le monter vachement haut. Et le mettre par là. Voilà. Donc là, ensuite, on va faire comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Non, faudrait même venir carrément au plus près là. Attendez. Est-ce que ça, je peux le déplacer par ici? Non. Si ça, je le déplace par là. Non. Ça ne passe pas. Ça, hop, comme ça. Voilà. Ça, faut que je l'amène au maximum par là. Paf, voilà. Nickel. Pouf. Qu'on soit au plus près possible du chemin. Hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc là maintenant, ça jusque-là, on va le mettre. Alors j'ai vu qu'apparemment on peut faire des ouvertures. Fenêtre. Ah, versantin. Pas mal ça. C'est pas mal, mais en même temps, moi je vais pas faire comme ça. Moi je vais mettre tout ça en vert. Hop, 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 voilà. Moi je vais mettre tout ça en vert. Parce que je peux pas faire carrément une. Ok, tac, des grands panneaux comme ça. Voilà. Voilà, des plus grands panneaux. C'est un peu mieux, non? Si là je fais del et que je mets ça. Non. Ah! Longueur. Paf, voilà. Ça, on le supprime. Ça, on le supprime. Et on vient là. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, maintenant il va falloir faire en sorte que là, il puisse pas venir ici. Nos gentils petits lions. Donc là, ben, le truc, ça va être de mettre des pierres. Hein, parce que de toute façon, j'ai bien d'autres solutions pour faire naturel. Donc, eh ben, vous allez voir comment on fait.
Des gros trucs en pierre. Alors, il est où le gros là? Je le cherche tout le temps. Voilà, il est là. Celui-ci, il est bien parce que celui-là, il est gros. Et il prend de la place. Alors, on peut faire X. Plaque. On va le mettre debout comme ça. Tchouk. Et on va le monter ici. Pof. Voilà. Ça, c'est pas mal à mon avis. Là, il peut pas. Ils pourront pas venir là. Ok, donc ensuite on va faire paf, on va le dupliquer comme ça, mais on va le faire tourner un peu plus dans l'autre sens, comme ça on n'aura pas l'impression que c'est le même. Petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Hop là. Ok. Maintenant, on va faire clac, clac. On va prendre les deux. Ok, on va faire CTRL D. X. Chuck. On va les mettre ici. Comme ça. Mais on va leur faire faire un tour dans ce sens-là. Pas mal du tout. Ok, donc là on va prendre celui-là. Ça fait pas très naturel, hein, mais bon. Au moins ça les empêchera de sauter. D'ailleurs, j'ai pas besoin qu'ils viennent. J'ai peut-être pas besoin de faire si long que ça en fait. Ça peut juste être là comme ça. En vrai. Ça suffit ça, je pense. Hop. Clac. Non. Non, le vert, voilà. Hop. Ça en décale ici aussi. Ok. De toute façon, là, ils peuvent pas sauter. Ok, maintenant, on va prendre ça. On va faire CTRL D. Et on va le mettre ici. Hop là. Idem. Voilà. Ça, du coup. On va le mettre par là. Paf. Très bien, voilà, lancer de nourriture possible. Note environnement, ça je sais pas ce que ça fait. Je sais même pas comment monter cette note d'environnement. Ah, j'ai pas d'électricité là par contre. Oh merde. Zut. On va mettre un panneau solaire en plein milieu là. Non. Non, non, non. Ah mince, j'avais pas pensé à ça. Électricité. Une éolienne, c'est dégueulasse ces éoliennes. Panneau solaire, je pourrais le mettre là-dessus, mais ça va pas encore assez loin. Ou sinon, je construis une petite case là, comme ça, et je mets un panneau solaire dessus. En vrai, on pourrait faire ça. Ça ferait un bâtiment là qui sort du lot, enfin qui fait genre genre bâtiment. C'est pas une mauvaise idée ça. C'est pas du tout une mauvaise idée. Est-ce que j'ai pas un petit bâtiment qui pourrait ressembler à ça? Non. Ok, alors on va le fabriquer. On va se le fabriquer, notre bâtiment. Ok. Donc,
Donc. Je cherche ce que je veux. C'est ça, en pisé. C'est le mieux. Alors, architecture. Mur. Filtre. Thème. Afrique. Voilà. Ok. Un truc comme ça, c'est pas mal ça. Petite cabane ici, là. Ouais, c'est pas mal ça. Alors attendez, ça, on va l'enlever du coup. Choc, choc. On va construire une cabane. C'est quoi la différence entre les deux? Un peu plus petite, elle, non? Muron pisé base. Muron pisé. Ah oui. Ah oui, celui-là, il est un peu plus arrondi, quoi. Ouais, voilà, il y a une base un peu comme ça. Ok, très bien. Alors, X. Lui, on va essayer de le caler, genre, comme ça. Paf. Voilà. Alors là, pour pas s'embêter, on foutra une pierre dessous. Ok. Donc ça, c'est très bien. Ah non. Eh non. Reviens, reviens, il est où? Il est où mon truc rond? Là. Voilà, avec la base, ok. On peut faire un étage. Pouf. Non, c'est moche. C'est très très moche. Ok, ça c'est parfait. Je vais encore pas arriver à me coucher tôt. Pas grave. Alors, tchouk, là on peut mettre une petite truc comme ça. Hop, c'est pas du tout comment je voudrais y mettre. Hop, ça peut faire un peu d'ombre si j'y... Non. Ça, si j'y décale comme ça, c'est moche ou pas? Oh, ça passe. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. On va y mettre un tout petit poil plus haut. Hop, il faut qu'on mette un toit. Un toit plat, genre carré, ce serait pas mal. Genre comme ça. Ça va pas être top, ça, en fait. Non. Plat et sol. Sol en pisé, quart de cercle. Ce qu'il me faudrait, mais ça c'est un peu petit. Toit plat et sol. J'ai que ça. J'ai pas des sols ronds, genre. Même si c'est. Non, il n'y a pas de rond. Décoration murale. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas sur leur fenêtre? Ok, ils ont mis des trucs comme ça. Qu'il va falloir qu'on ajoute des fenêtres pour faire joli. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va filtrer là quand même parce que il y a plein de choses. Il n'y a pas tant de choses que ça. Donc moi j'aurais voulu. Ok, des fenêtres comme ça par exemple. Ça passera pas ça si. Comme ça. Ça passe là. Ça fait pas trop dégueu sur le côté. Bah, attends, toi, s'il te plaît, le filtre. Ah, si, ça fait dégueu là. Alors, ça, c'est quoi? C'est une porte.
C'est une petite fenêtre. Les petites fenêtres, ça passera peut-être. Ouais. Effectivement, ouais, comme ça passe. Ouais, comme ça passe. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. On va peut-être rajouter une petite déco entre les deux là. On verra ce qu'on trouve. Décoration par là, là plutôt là-dedans. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Ce genre de choses. C'est un peu petit. C'est un peu petit. Peut-être qu'on va mettre ça, genre par ici. C'est pas mal ça. C'est quoi ça? Ça représente quoi? Aucune idée. Aucune idée. Pouf. C'est rigolo. C'est un gros pot. Chuck. Ok. C'est marrant ces trucs là. Ah, c'est ça que j'aurais voulu, une espèce de petite cabane comme ça, mais c'est trop petit. C'est trop petit aussi. Alors après, moi ce que j'aurais voulu par contre, c'est ajouter. Je sais pas trop ce que je veux tous les coups. Ah, des rondins, voilà, comme ça. Voilà. Alors ça, il faut que je le mette. On va faire X. Moi, ce que je veux, le rondin, c'est le mettre comme ça, à plat. Il est un tout petit peu trop court, évidemment. Évidemment. Et du coup, le dupliquer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça va être chiant à faire à la main. On va pas faire ça. On va retourner dans les toits. J'ai pas envie de m'embêter pendant 10 ans. On va retourner là dans les toits. Qu'est-ce qu'on a comme toit sympa là? Pourquoi je suis obligé de respecter ça là? C'est pénible ce truc. Si j'ai pas envie de respecter le truc là. Ok. Waouh, c'est gros ça. Moi c'est ça que j'aurais voulu. Ah, mais je suis obligé de respecter ce machin, mais c'est pas possible. Quitter le groupe. Ok, voilà. Comme ça, je vais me le mettre là-dessus. Mon toit plat carré. On est à peu près centré ou pas du tout? Pas du tout. Ok, maintenant on est trop par là. Non, ouais, on est trop par là. Voilà, c'est pas rond ce truc. C'est pas. Bon, écoutez, ça ira bien, je pense. On va dire que ça va aller. Et là, je vais y mettre dessus un panneau solaire. Oh, mais c'est énorme en fait! Ah, ouais, d'accord, je voyais pas ça si grand. Ça, normalement, par contre, ça ne dérange pas les visiteurs. Là, ça a aucun attrait négatif. Ça, c'est bien. Par contre, ça a une zone pourrie. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas fini et c'est déjà tard. Enfin, ça fait déjà un moment que je tourne. Du coup, on va s'en arrêter là. Je vais juste poser une pierre là pour. Ouais, non, on verra parce que de toute façon, là, il faut que je fasse un bâtiment carré. Là, il faut que je refasse ça. On va faire un bâtiment carré. On mettra le panneau solaire dessus et on le camouflera. Enfin, on se débrouillera. On va faire ça joli. On va essayer de faire ça joli. Là, il faudra mettre quelques petites plantes devant. Ok. C'est sympa, hein? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Alors attendez, par contre, est-ce que j'ai pas. Non, c'est bon, je suis pas sorti des.
de mes standards ici. Et là, normalement, mon lion, mes lions, ils ne devraient pas pouvoir sauter. Hein. De là à là. Ok. Voilà. Donc, on va faire sauvegarder. Attendez, non. On va arrêter la vidéo. Et puis, je sauvegarderai après. Allez, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Planet Zoo la prochaine fois. Allez, salut à tous. Ciao.